Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour partager ensemble cette séquence. Un grand coucou à la famille Jésus mon guide et un grand coucou aussi à tous nos auditeurs qui nous écoutent sur Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube. Avant de commencer cette séquence, je vous propose d'écouter un chant du groupe Hillsong, Là dans le feu. Sous
importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul. Lecture du livre du prophète Nahum. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Juda, accomplis tes vœux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient, avec lui la splendeur de Jacob, comme celle d'Israël. Alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheur à la ville sanguinaire, toute de mensonges, pleine de rapines et qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez, claquement des fouets, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars, cavaliers qui chargent, épées qui flamboient, lances qui étincellent, innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur les cadavres. Je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer, te donner en spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant « Ninive est dévastée, qui la plaindra ? Où donc te trouver des consolateurs ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le livre du prophète Nahum, il nous est dit: Dieu délivre son peuple du malheur. Dans l'histoire des peuples, il survient parfois des catastrophes. Famine, guerre, épidémie. Parfois, les croyants y voient un sens. Pourtant, lorsque ces catastrophes disparaissent, tout le monde se réjouit. Longtemps,
la Syrie a terrorisé ses voisins. Son armée imposa sa volonté à force de cruauté et de violence. Des prophètes avaient déclaré que la Syrie était l'instrument de Dieu pour amener Israël dans le droit chemin. Mais dès que Ninive, sa capitale, est prise par ses ennemis, tous ceux qu'elle a asservis se réjouissent. Le livre de Nahum est ainsi un poème de remerciement à Dieu pour avoir libéré Israël de son ennemi. Le seul maître de l'histoire, c'est Dieu. Si nous regardons le sens de ce livre du prophète Nahum, c'est l'annonciation du bonheur du royaume de Juda et la destruction de la capitale de la Syrie, c'est-à-dire Ninive. Le prophète Nahum annonce le bonheur pour le royaume de Juda. Nahum fait l'unanimité en tant que poète, moins en tant que prophète. On a vu en lui un prophète cultuel, un professionnel rémunéré pour dire des oracles à portée plus ou moins magique contre l'ennemi d'Israël. Il annonce la chute de Ninive, mais ne dit rien de la montée babylonienne et du risque que va courir Jérusalem. Nahum a été reconnu comme prophète et spécialement un prophète de bonheur. Il annonce en effet le bonheur pour Juda, petit royaume humilié qui va être libéré du joug d'un oppresseur impitoyable. Il annonce une libération de ce qui semblait, pour beaucoup, être un châtiment. Le livre ne dénonce pas les fautes de Juda, mais annonce la fin de sa punition. La destruction de la capitale de la Syrie, c'est-à-dire Ninive, constitue le second thème du livre. La ville personnifie tout le mal que les hommes peuvent faire à d'autres hommes. À travers elle, c'est toute la violence que Dieu condamne. L'oppression des plus faibles, les meurtres, le pillage, la déportation. Le prophète Nahum manifeste la puissance du Dieu d'Israël, ce qui constitue une véritable profession de foi. En effet, il l'annonce à une époque où il n'est pas du tout évident que Ninive ne s'effondre. En dénonçant Ninive, il vise aussi tous les Juifs qui collaborent avec elle, à commencer par Manassé. Dans cette histoire de la rédaction du livre de Nahum, ce livre ne possède pas d'entête permettant de dater son contexte historique. Le livre mentionne la chute de Thèbes, qui a eu lieu quand l'armée du roi assyrien Assurbanipal intervient en Égypte vers 667-663 avant Jésus-Christ. C'est peut-être après cette date qu'il faudrait faire remonter le livre de Nahum, peut-être entre 652 et 648, au moment où d'importants troubles déstabilisèrent l'empire assyrien. Retrouvons à présent Maria avec la méditation du psaume de ce jour, le cantique du Deutéronome.
C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple. Il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Voyez-le maintenant, c'est moi et moi seul, pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux. Je réglerai leur compte à mes adversaires. C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Merci à tous d'avoir partagé avec nous cette belle séquence. Merci à Mazam pour cette belle méditation sur la lecture. Eh bien, pour nous séparer, je vous propose d'écouter ce très beau chant. Je ne suis plus esclave de la peur. Avec Franz Junior Moïse. Salut, bye bye, à plus! Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix.